Oui, il est omniscient. Comme dit le psaume 139, avant même que nous ne naissions. Chacun <laughs> de nos jours est déjà enregistré dans le livre de Dieu et tous nos chemins lui sont familiers. Exactement, c'est pourquoi j'aime dire aux gens, n'ayez pas peur de confesser vos péchés. La confession n'est pas pour que Dieu découvre ce que vous avez fait parce qu'il le sait déjà. La confession est pour que vous soyez libre. Point c'est tout. Il sait déjà ce que vous avez fait. Restez avec nous dans jouissez de votre vie. Bienvenue au programme. Je suis très heureuse de vous retrouver de nouveau. Je crois que d'ici la fin de cette journée, votre vie va changer, parce que je crois qu'il y a une grande puissance dans la parole de Dieu qui change nos vies. Aujourd'hui, nous donnons un enseignement spécial sur la prière, le mystère de la prière, la puissance de la prière. Ça fait deux semaines que nous discutons ce sujet. J'ai une invitée spéciale avec moi aujourd'hui, Stormy O'Martian. Et pour les trois jours restants cette semaine, vous verrez une retransmission d'une conférence où j'enseignais sur le mystère de la prière. Mais maintenant, Stormy, bienvenue de nouveau parmi nous. Il est bon d'être ici, merci. Nous avons vraiment beaucoup enseigné sur la prière ces derniers tout fait, jours. Tout à fait, tout à fait. J'ai beaucoup apprécié ce temps. Pourquoi est-il important d'enseigner aux gens à prier Je pense que bon nombre de gens sont intimidés par la prière. Quand je parle aux gens, il est surprenant combien de personnes ne prient pas. Je dis Pourquoi tu ne pries pas Ils disent J'ai peur de prier la mauvaise chose ou j'ai peur de ne pas avoir le vocabulaire nécessaire. Ou je ne sais pas prier la volonté de Dieu ou je ne suis pas digne de ses réponses. Une prière simple, sincère, qui vient du oui. cœur, c'est ça la prière efficace. Tout à fait, qui vient du cœur et le mot. C'est parler avec le cœur, c'est communiquer avec Dieu et dire à Dieu ce qu'on a dans le cœur. Il ne s'attend pas à un orateur, il veut juste entendre votre cœur. La Bible dit, priez incessamment. Oui. Un des livres que j'ai étudiés, j'en ai oublié l'auteur maintenant, dit prier devrait devenir comme la respiration. C'est exact. Alors n'attendez pas pour être dans un endroit et un temps déterminé. Avec une attitude déterminée. Je pense que les gens pensent souvent. Je dois prier à ce sujet. Si vous devez prier à ce sujet, pourquoi, pourquoi pas, pas maintenant? Juste, c'est tout à fait ça. Je suis totalement d'accord avec ça. Je pense que si tu fais ces choses instantanément, les choses vont avoir lieu plus facilement. Nous pouvons prier à voix haute ou silencieusement. Nous pouvons prier à l'épicerie. Oui. Nous pouvons prier dans la voiture. Oui, oui. Ce qu'il y a de merveilleux à avoir une relation personnelle avec Jésus, être né de nouveau et l'avoir vivant dans nos cœurs. Mm -hmm c'est qu'on peut lui parler n'importe quand, n'importe où. C'est ce que j'aime vraiment avec Jésus. C'est ce qui est si différent de toutes les autres religions que j'ai pratiquées et toutes les pratiques occultes. <laughs> Dieu est très loin de nous dans ces choses. Très loin. Quand tu reçois Jésus dans ton cœur, il est en toi. L'Esprit de Dieu est en toi. On ne peut pas être plus intime que ça. Tu as accès au trône de Dieu à tout moment. Toutes les fois que tu veux dire quelque chose à Dieu, il t'entend. Maintenant, juste au cas où nous aurions quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui, qui ne connaît pas le passé de Stormy. Elle a été élevée par une mère qui était mentalement malade. Sa mère l'enfermait à clé dans un cabinet dès l'âge de 3 ans et jusqu'à 6 ans, régulièrement, je crois que c'était presque chaque jour, et non pendant quelques minutes mais pour des heures et des heures à la fois. Sa mère était abusive et l'a vraiment maltraitée. Ils étaient extrêmement pauvres. Ses besoins essentiels n'étaient pas comblés. Elle allait au lit la nuit souvent affamée. Par conséquent, Tolmy, tu t'es retrouvé dans toutes sortes de choses malsaines, inconvenantes oui. oh, oui. et malsaines. J'ai commencé avec un abus d'alcool et de drogue et tout cela, et j'essayais par tout ça de trouver un soulagement à ma douleur et puis je suis passé aux pratiques occultes, et aux religions de l'Est en essayant tu de trouver quelque chose. J'ai tout expérimenté, j'étais dans tout ce que je croyais pouvait me faire sentir mieux. J'étais dans une telle détresse. J'ai toujours eu une souffrance à l'intérieur de moi. Je ne pouvais pas me débarrasser de ça rien ne marchait. En fait, ce qui est Absolument intéressant, c'est que euh, les gens ne peuvent pas savoir ça, mais tu étais chanteuse dans l'émission de Glenn Campbell, chanteuse et danseuse. Tout à fait. C'est-à-dire que tu faisais partie réellement du monde de Hollywood. Oui, et, oui, je l'étais. Euh, aux yeux de la plupart des personnes, une star de cinéma, une animatrice, une personne célèbre, et tout ce temps, tu portais un masque. Oui. Mais à l'intérieur de toi-même, tu souffrais. Oh, je ressentais la douleur sans cesse. Parfois, j'allais au studio de CBS où nous tournions l'émission avec Glenn Campbell et j'entrais aux toilettes à l'arrière scène et je sanglotais doucement toute seule entre les spectacles entre les spectacles et je sanglotais et je sanglotais j'essayais de vider un peu de toute cette détresse pour pouvoir porter le masque de nouveau et ressortir sur scène c'était vraiment aussi difficile que ça j'avais peur de laisser les personnes voir le vrai moi parce que je savais qu'ils n'allaient pas aimer ce qu'ils allaient voir j'avais si peur de faire confiance aux relations c'était très difficile et j'étais vraiment très seule pendant oui, ce temps oui les experts en psychologie disent que si tu as réellement peur du rejet oui tu y ajouteras des choses dans ta personnalité. Oui. Exprès. Tout à Bien fait. Bien que tu ne réalises pas que tu le fais exprès, tu agiras de façon qui fera que les personnes ne t'aimeront pas. Oui. Et te rejetteront parce que tu crois qu'ils vont te rejeter. Absolument, c'est comme ça que ça marche. Tu as toutes ces choses à l'intérieur de toi et les gens ne te comprennent pas. Ils n'aiment pas ces choses, ils ne se sentent pas confortables avec toi. Ainsi, ils te rejettent parce qu'ils ne comprennent pas d'où tu viens. Nous parlions ça. hier à la fin de notre programme au sujet des relations. Et oui. comment la prière t'a aidé dans tes relations. Alors, oui, oui. Parle-nous un peu à ce sujet. Oui, ce que j'ai appris à ce sujet était que tu dois prier au sujet de tes relations. J'ai pensé, quelle idée saugrenue Je dois prier au sujet de mes relations. Tu ne les laisses pas simplement à la chance, en t'attendant à ce que les personnes t'aiment, en t'attendant à ce que tout aille parfaitement, et que les personnes vivent selon tes attentes sur la façon dont elles sont censées te traiter, etc. Priez au sujet de vos relations. Priez au sujet de chaque relation. Votre mari, votre femme, vos enfants, chaque enfant, vos amis, vos collègues priez au sujet de ces relations et demandez à Dieu d'être responsable de ces relations. Priez que son esprit de paix, son esprit d'amour, son esprit de joie soit présent entre toi et l'autre personne. C'est vraiment étonnant quand tu commences à prier au sujet des relations comment elles deviennent durables et comment elles deviennent juste. plus profondes. Les gens ont commenté sur la rapidité avec laquelle nous nous sommes entendus. Oui. C'est probablement parce que tu es une telle femme de prière et je prie aussi. Oui. Ainsi, le diable était déjà d'office hors de cette relation, avant qu'il ait fait. eu une chance de s'immiscer entre nous. Absolument, j'ai prié pour toi tellement, tellement longtemps. Quelqu'un m'a dit ça. Tu cela. as parlé à mon esprit tant de fois. Tant de fois, je me réveillais au milieu de la nuit, pleine d'anxiété. Je mettais en marche la télé. Et je ne suis pas vraiment une fan de télé. Et quand je la mettais en marche, tu étais là. Et tu me parlais directement. Je suis sûre que tu parlais à d'autres aussi, mais je sais que tu me parlais exactement là où j'étais. Et ça me fortifiait dans la parole de Dieu. Ça me fortifiait vraiment et je me sentais en paix. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour elle? Parce qu'elle m'a tellement aidée. Dieu m'a juste dit de prier pour toi et de continuer à prier. J'ai besoin de cela. En réalité, je sais vraiment qu'une personne publique. Comme toi, Joyce doit être. Euh, doit avoir plein de complexités dans sa vie. C'est pourquoi j'ai... Oh, quelques-uns, oui. <rire> Un <rire> ou deux au moins. Ainsi, je priais pour toi, pour ta famille, je priais pour ton mari, je priais pour tes enfants. La chose tout qui, le qui temps. me vient à cœur est qu'il y a toutes sortes de personnes qui nous regardent en ce moment. Et vous avez des problèmes relationnels. Hmm. Vous avez des problèmes relationnels dans votre famille. Euh, il y a des gens qui nous regardent maintenant, qui ont des problèmes relationnels au travail. Vous avez des problèmes relationnels à l'église. Oui, j'ai bien dit à l'église. Nous allons à l'église en pensant que tout le monde va sûrement être parfait et ne jamais nous blesser. Je pense réellement que mes plus grandes déceptions et ceux qui m'ont blessé le Absolument. plus étaient les chrétiens. Absolument. Parce que je m'étais mise en tête qu'elles ne me blesseraient jamais, Exactement. ce qui est vraiment idiot. Exactement. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un aujourd'hui qui a des problèmes relationnel avec des personnes avec qui ils il travaille comment devrait-il gérer cela il faut commencer à prier pour elle et à identifier que que le problème des relations est juste une façon de vivre c'est l'une des choses que dieu nous a demandé d'être en rapport et en unité avec les autres je pense que les relations sont ceux qui nous enseignent le plus concernant l'amour de Dieu. Satan aborde les ententes. Il aborde cela, il déteste cette unité. Il fera tout ce qui est en son pouvoir pour détruire vos relations, votre mariage, vos relations avec vos enfants, avec vos collègues, avec vos amis. Je continue à me rendre compte particulièrement au travail. C'est exactement ça, c'est vrai. Que les gens ont vrai. vraiment des problèmes là, mais ils ne prient oui. pas pour les ah, personnes. Je sais que c'est vrai. La dernière chose à laquelle tu penses, c'est prier pour quelqu'un au travail. Tu penses bien, je ne suis pas intime avec lui, il n'est pas un des membres de ma famille ou quoi que ce soit. Chaque relation est importante. Ne laissez pas vos relations assujetties à la chance. C'est bien dit, ne pas les laisser assujetties oui, à la chance. Priez en ce qui les concerne, les mettre sous le sang de Jésus, les couvrir. Priez pour chaque relation, priez sans cesse et dire Seigneur, fais de moi le genre de personnes qui ont la faveur des autres personnes, comme tu l'as dit, et montre-moi comment bénir ces personnes. C'est surprenant comment Dieu vous montrera des choses. C'est simplement un petit geste. Peut-être que cette personne agit d'une certaine manière qui te blesse, mais tu n'as pas idée de ce qui se passe dans sa vie. Oui. Elle peut être tellement blessée qu'elle ne sait même pas qu'elle blesse les autres autour d'elle. Nous oui, devons tout être à beaucoup fait. plus compatissants. Je fait. crois vraiment que ce que nous devrions prier pour, c'est que Dieu adoucisse mon cœur en durci. Ah, absolument, c'est vrai. Nous avons tous besoin de ça. Je dois toujours faire attention à mon cœur aussi. C'est stupéfiant le nombre de fois où j'ai prié pour quelqu'un qui était vraiment difficile en disant, Seigneur, je ne sais pas pourquoi cette personne est difficile comme ça, je ne sais pas pourquoi il y a cette tension, mais Seigneur, montre-moi ce que je peux faire pour lui faire du bien, et Dieu me montrera quelque chose que je pourrais faire, et je la ferai simplement, et cette tension se relâchera. La tension se relâchera, ainsi que les différents, et plus tard, elle disparaîtra, et puis soudain, j'ai un nouveau meilleur ami. C'est étonnant mmh. comment la prière peut faire cela. Cela ne vous fera vraiment aucun bien de prier pour quelqu'un si vous allez faire des commérages et des ragots à leur sujet. Oui. Ainsi, nous ne pouvons pas prier le matin, puis aller déjeuner avec quelqu'un et dire des ragots sur la personne pour laquelle nous avons prié. Exactement, je pense que les ragots sont l'une des choses qui font le plus mal au monde. Je sais que tu as probablement expérimenté cela. Peut-être que quelqu'un a raconté des mensonges à ton sujet. Je sais qu'ils m'ont fait cela à moi. Il n'y a rien qui fasse plus mal que ça. C'est pourquoi Dieu parle de cela tellement dans nous sa parole. Nous ouvrons des portes en priant et puis nous fermons ces portes en racontant des ragots parce que c'est contre la volonté de Dieu. C'est exact. Nous parlions tantôt de tous ces pas vers la maturité qu'on pourrait prendre dans l'obéissance pour marcher dans la volonté de Dieu. Et voilà l'une d'entre elles juste ici. Je ne vais rien dire de mauvais au sujet de quiconque. Je ne vais pas dire des ragots, je ne vais pas raconter des mensonges. Oui, Dieu me confronte environ dix fois chaque jour au sujet de ma bouche. Oh, nous tous, moi aussi, <laughs> nous tous. Quand nous nous soumettons comme ça au Seigneur et on lui dit, Seigneur, aide-moi à être une personne qui trouve la faveur aux yeux des autres, c'est juste... étonnant comment Dieu fera cela. En tant qu'enseignante, je veux m'assurer que vous compreniez ça. Nous disons que si vous avez des problèmes dans vos relations, vous ne pouvez pas changer les personnes. C'est une chose importante que j'ai dû apprendre. Je ne peux pas changer les personnes. La Bible dit, tu n'as pas parce que tu ne demandes pas, vous pouvez tout demander à Dieu. Commencez à prier au sujet de vos relations. Priez pour les personnes. Priez que Dieu vous montre ce qui se passe dans le cœur des personnes. Priez qu'il vous montre pourquoi parfois ils se comportent de la manière qu'ils font ou pourquoi parfois ils peuvent même vous blesser ou vous faire mal. Si vous allez prier pour eux, c'est quelque chose d'important. Parce qu'il y a certains qui ont prié pour des personnes, mais vous ouvrez une porte et fermez cette porte que vous avez ouverte en faisant d'autres choses qui sont contre la volonté de Dieu, comme peut-être vous priez pour elle, mais vous tenez à la rancune. Ou peut-être vous priez pour elle mais vous racontez des ragots à leur sujet. Peut-être vous priez pour elles, mais vous racontez leurs défauts et faiblesses aux autres. La Bible dit explicitement que l'amour et la foi travaillent ensemble. Alors, je ne peux pas essayer de prier avec foi ouais. si je n'ai pas un cœur qui peut aimer. Tout à fait. Je sens vraiment fortement ouais. que si vous comprenez bien ce dont je parle en ce moment, je veux dire... Je sens dans mon fort intérieur qu'il y aura certainement quelques changements radicaux si vous priez et obéissez. Pasteur Shaw, qui est pasteur de la plus grande église au monde, dit Priez et obéissez. Priez et obéissez. Priez et obéissez. Prenons une petite pause maintenant. Nous reviendrons dans quelques instants pour continuer. Bienvenue de nouveau, Stormy. Nous sommes si heureux de t'avoir encore avec nous aujourd'hui. Le plaisir est mien. Merci. Nous parlions des relations et comment nous devons prier pour les personnes. Oui. Et non pas essayer de les changer nous-mêmes, mais prier pour eux. Y a-t-il quelqu'un que tu as jamais essayé de changer Oh vraiment. <laughs> y a-t-il quelqu'un que je n'ai pas essayé <laughs> oui. de changer Mon mari naturellement était le candidat principal. Oh, le mien aussi. <laughs> mon mari était mon projet pendant des années. Plus j'essayais de le changer, plus ouais. il faisait des choses que je ne voulais pas qu'il Moi qu aussi, fasse. exactement. Je recevais des réponses à la prière dans chaque autre domaine de ma vie, mais je ne recevais aucune réponse à change le Seigneur. Oui. Dieu ne semblait pas entendre cette prière. Un jour, j'étais vraiment désespérée à son sujet. Je me suis assise sur le bord de mon lit, serrant ma Bible entre les mains en disant, Seigneur, je ne peux plus vivre de cette manière. Mon mariage se transformait en enfer, vraiment, parce que nous nous disputions tout le temps et on avait plein de différents. Alors j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux plus vivre de cette façon. Et pourtant, je sais ce que tu dis au sujet du divorce dans ta parole. Qu'est-ce que je peux faire? Le Seigneur m'a dit, si tu es prête à te défaire de tes attentes de lui et tu mettais ton espérance en moi, le Seigneur, alors je t'enseignerai comment prier vraiment pour lui avec un cœur pur et je t'emploierai comme un instrument de délivrance. C'est bien pour dit, lui. mettez vos attentes sur l'autel. Et et cela je devine pourrait sembler ouais. bizarre pour certains parce que nous allons croire pour des choses et croire spécifiquement je pense que nous devons venir à Dieu et lui dire je vais mettre toutes mes attentes de ce que cette personne devrait me donner sur ton hôtel et je vais oui. te demander Seigneur de les laisser me donner exactement ce que tu veux que j'aie exactement pas mes besoins le Seigneur satisfait ses besoins par exemple la solitude était un grand problème dans ma vie parce que j'étais seule dans le cabinet longtemps. En fait, j'ai passé mon enfance à la campagne, à des milliers et des milliers de kilomètres de tout. J'étais seule souvent. Mm -hmm. Ainsi, quand j'ai grandi, la solitude était un complexe. Mon mari était un accro du travail, il était parti souvent, <laughs> et moi j'étais seule à la maison à écrire. Je sentais cette solitude comme une douleur dans mon cœur. Oui, la solitude. Tu sais, la solitude est extrêmement douloureuse. Oui. Je pleurais devant le Seigneur en disant, Seigneur, je pensais qu'il était censé être mon compagnon. Qu'est-ce qu'il fait pour m'aider quand ça viendra, Seigneur Et juste. le Seigneur m'a dit, regarde à moi. Chaque fois que tu te sens seul, je veux que tu viennes à moi et je serai avec toi au milieu de ta solitude. Je ne peux même pas l'exprimer, Joyce. Je me rappelle qu'une nuit où je me sentais extrêmement seule, le Seigneur a ramené à ma mémoire ce qu'il m'avait dit. J'ai commencé à prier et j'ai dit, Seigneur, je me sens si seule. Et j'ai honnêtement senti la présence du Seigneur qui m'enveloppait juste comme un baume qui réchauffe, mm -hmm. comme une couverture chaude par une nuit froide. Il a oui. enlevé cette solitude. C'était des choses comme ça que Dieu a fait. Et qui m'ont appris à ne pas mettre mes attentes sur mon mari et à ne pas essayer de le changer. Et à prier pour lui comme étant un fils précieux. Tu sais de ce Dieu. que nous faisons souvent, Stolmi, toi et moi, toutes les deux, venant de milieux abusifs. Je sais qu'il ouais. y a <laughs> probablement des millions de personnes observant en ce moment et vous avez été blessées, maltraités, abandonnées, rejetées. On vous a renié, on a menti à votre sujet et des choses de ce genre. Souvent, nous pensons qu'il y a quelque chose qui nous est dû. Quelqu'un dans ce monde doit payer oui. pour toutes nos, Exactement. nos peines. Il y avait un manque de mais... Et nos blessures. Oui. L'erreur que nous faisons, et voilà ce que Dieu a dû me montrer dans ma vie. C'est que je voulais que mon mari me donne Exactement. ce que je n'ai pas pour pu recevoir père. de mon père. Vraiment, cela est très injuste dans une relation parce que... Nous essayons de faire payer à quelqu'un le prix de quelque chose avec laquelle il n'a rien à voir. Ils n'ont pas à satisfaire tous nos besoins et ils ne peuvent pas le faire de toute façon. Exact. Dieu seul peut satisfaire tous nos besoins. J'ai enseigné sur le mystère de la prière et l'un des enseignements s'intitule « Raisons pour lesquelles la prière ne trouve pas de réponse ». La liste est très longue, mais je veux mentionner quelques-unes oui. de ces raisons. Tout d'abord, nous n'avons pas besoin de parler de ceci, mais une des raisons pour lesquelles les gens n'obtiennent pas de réponse à leurs prières est qu'ils ne prient pas. <laughs> c'est vraiment un point essentiel. <laughs> si c'est vrai. Si ne pries pas, alors c'est vrai, rien ne va se produire. Une <laughs> deuxième raison est que les gens prient, mais ils prient timidement, ils prient des prières sans fin, alors que. Dieu dit que nous devons prier avec assurance. Oui, parce que tu dois croire que ces prières vont être répondues. Si tu ne crois pas cela, alors tu vas prier une prière faible. Avec assurance ne signifie pas à haute voix. Non, non. Mais cela signifie que tu dois demander à Dieu tout ce que tu veux vraiment. Oui. Et ne pas être incertain à son propos ou dire je ne sais pas si je devrais demander. Je me rappelle qu'une femme est venue vers moi un jour où je priais pour les personnes et je n'oublierai jamais ça. Tu vas aimer ça. Elle était en fait très timide. Et elle m'a dit. Est-ce que je pourrais <laughs> demander à Dieu deux choses Il Je me du suis sentie pour désolée pour elle parce que j'ai pensé, voici une femme. Qui a une relation pathétique avec Dieu, une idée tellement déformée de hmm. Dieu, qu'elle pense qu'elle pourrait peut-être le déranger seulement un petit instant pour demander une chose. Oui, tout à fait. Pourtant, Dieu veut faire excessivement, abondamment, au-dessus et au-delà oui. de tout, absolument, ce que nous pourrions exactement. oser espérer ou demander. Et parfois, les gens ont peur de demander. Ils disent peut-être que ma prière n'est pas selon la volonté de Dieu, comme si Dieu va répondre accidentellement à une prière puis il dira oups. Oui, comment <laughs> je, <n 'ai rire> je dis ça? toujours aux gens. Si votre prière est hors de la volonté de Dieu, il ne ah, oui, répondra pas. Oui, c'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Encore une chose que j'ai mentionnée ici est que si vous voulez une réponse à vos prières, vous ne devez pas garder l'iniquité dans vos cœurs parce que le Seigneur oui, ne vous écoutera exactement. pas. Il faut venir à Dieu et confesser tout péché dans votre vie quel qu'il soit. Demandez-lui de vous montrer. Cela est vraiment important parce que souvent nous ne pensons pas que nous avons un péché dans nos vies. Parfois, nous avons le non-pardon dans nos vies, ou des choses que nous ne nous, nous rendons même pas compte que nous avons dans nos vies, et Dieu vous montrera. Faites-moi confiance. Il vous montrera cela. Si vous dites, Seigneur, montre-moi dans quels endroits de ma vie je considère l'iniquité, j'ai de mauvaises pensées, ou je fais de mauvaises choses que je n'ai pas confessées, il vous Certaines montrera. Certaines des choses que nous avons faites sont tellement mauvaises que nous ne voulons même pas en parler oui. à Dieu. Mais on ne peut absolument rien lui cacher. Oui, il est omniscient. Comme dit le psaume 139, avant même que nous ne naissions. Chacun de nos jours est déjà enregistré dans le livre de Dieu et tous nos chemins lui sont familiers. Exactement, c'est pourquoi j'aime dire aux gens, n'ayez pas peur de confesser vos péchés. La confession n'est pas pour que Dieu découvre ce que vous avez fait parce qu'il le sait déjà. La confession est pour que vous soyez libre. Point c'est tout. Il sait déjà ce que vous avez fait. Il veut que vous le lui apportiez. Je sens parfois comme si la langue est une... comme si elle était une cuillère qui pénètre. Profondément au fin fond de mon cœur oui. et en ramène des choses qui ont besoin de sortir. Oui, oui ça les fait sortir. C'est pourquoi la Bible oui. dit Confessez vos fautes et parfois même confessez-les les uns aux autres. Oui. Pour que vous puissiez être restaurés spirituellement et émotionnellement et alors seulement vous pourrez prier des prières efficaces. Sens. Encore une autre raison pour laquelle notre prière ne trouve pas de réponse est que nous ne prions pas vraiment avec foi. Nous prions avec euh, avec une foi fausse. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que parfois nous essayons vraiment de croire, oui. mais nous ne croyons pas vraiment. Nous essayons de croire Dieu. Évidemment, vous pouvez dire, comment est-ce que je fais la différence La Bible dit que quand nous sommes vraiment dans la foi et nous croyons vraiment, nous entrons le repos de Dieu. Oui, exactement. Alors si j'essaye de croire, disons pour une percée dans mes finances, alors je vais toujours m'inquiéter, je vais toujours être tracassé. Je vais toujours parler de ce problème sans arrêt, mais si j'ai vraiment, vraiment la foi que Dieu va pouvoir à mon besoin, alors je serai dans son oui, il y aura repos. il le repos. Une des choses que tu as dit dans un de tes livres, qui est vraiment super, c'est que ce n'est pas par notre foi. Nous ne pouvons pas avoir la foi en la foi. Tu l'as bien dit. Nous ne pouvons pas avoir foi en la foi. Et si je n'avais pas assez de foi? Dieu est si miséricordieux. Il prend la foi que nous avons et il la multiplie. Nous pouvons également prier, Seigneur, donne-moi plus de foi, augmente ma foi, et il fera cela. Ce n'est pas par notre propre force, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui fait ça. Dieu m'a encore reparlé de cela les deux derniers jours. Nous avons toujours besoin de nous rappeler de ces choses. En fait, il m'a beaucoup encouragé. C'est intéressant que tu aies parlé de cela. Ne mettez pas votre foi dans la foi, mettez votre foi en la Dieu. Foi il m'a dit cela aussi au sujet de la prière. Vraiment. Ne mettez pas votre foi dans la prière, mettez votre foi en Dieu en qui Dieu. travaillera à travers Exactement. votre prière. C'est très important. Je pense que parfois, nous disons aux gens ayez foi dans votre prière, mais vraiment ce que nous voulons dire, c'est ayez foi en Dieu. Qui vous fera traverser. Autrement, j'ai sur moi toute cette pression de prier cette prière parfaite et élégante. Tout à fait, exactement. Et comme ça, c'est ma prière qui effectue le travail. Oui, exactement. Et non Dieu. Et c'est pas notre prière, c'est Dieu. Je pense que c'est très important parce que je pense que parfois les gens font cela. Oui. Et alors ils s'occupent de leur prière en essayant. Oui. Mais ce n'est pas la vraie foi, c'est une fausse foi. Oui. Nous avons parlé de ceci, mais je le répète. Priez hors du temps de Dieu. Équivaut à prier hors de la volonté de Dieu. Nous avons déjà mentionné cela. Je pourrais demander à Dieu quelque chose qui est dans sa volonté, mais pas au bon Exactement, moment. Exactement. C'est encore autre chose que je continue à rappeler aux gens. Il faut s'assurer qu'il n'a pas déjà répondu à notre prière, parce que il répond de manière que nous n'attendons pas parfois, ou il répond de manière différente à celle que nous avons demandée, et nous n'avons pas pensé réellement que c'est comme ça que Dieu pourrait répondre à notre prière. Alors, on doit se rendre compte que parfois, nous n'identifions même pas les réponses à nos propres prières. Je suis convaincu qu'il y a tellement de choses à dire au sujet de la prière. Et toi et moi, <laughs> nous sommes en harmonie ici. Nous pourrions probablement nous asseoir ici pour les dix prochaines semaines Facilement. et ne parler que de la prière, oh, oui, mais, mais évidemment, nous n'avons pas le temps nécessaire pour faire cela. J'espère vraiment que vous avez apprécié euh, le temps qu'on a eu avec Stormy. Personnellement, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. apprécié aussi. Merci encore. Tu étais avec nous pendant quatre jours. Demain, je vais continuer à enseigner sur le mystère de la prière. Et je ne veux pas que vous manquiez cela. On va avoir une retransmission d'une de nos conférences où j'enseignais en fait sur le mystère de la prière. Je vous aime de tout mon cœur. Je ne suis pas en train de dire ça seulement pour dire quelque chose. Je vous aime et vous êtes important pour moi. Quand Seigneur, quand Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095. 6300 Larnaca, Chypre ou bien visitez notre site web www.joymeierme.org fr